Diane le Grenoblois. Bonjour à tous. Qui vient d'être consulté depuis ce matin 10h. Et on lui a trouvé un remède pour ses 10 tons. Voilà. Donc en fait, Yann était venu avec ses 10 tons, 44, et son Marantz, magnifique Marantz, très bonne réputation. Et il repart avec ses 10 tons, parce qu'on est arrivé quand même à, entre guillemets, les sauver. Ouais, c'est vrai, hein. On leur a donné une nouvelle jeunesse à ces 10 tons. Voilà. Moi, je pensais que j'arriverais pour changer mes 10 tons, et en fait, je repars avec, et c'est l'ampli qu'on change. Le Marantz, il est moins sympa qu'imaginé. Moi, je pensais que t'allais tout changer, mais je pas... Non, je rigole. En fait, t'étais malade que d'un côté, pas entièrement, tu vois. Ouais, t'étais à la moitié. J'étais pas tout à fait sûr d'être malade, mais quand même un peu. En plus, t'écoutes de la musique qui est un peu compliquée. Radiohead, notamment, je dis ça, mais t'écoutes pas que ça, hein, bien évidemment. Hein. Mais donc, notamment Radiohead, ouais, des choses bien chargées, du coup, finalement, on a trouvé, grâce à toi Manu, ce petit Accuphase qui a donné une nouvelle jeunesse au diton. Voilà, donc qui est. Attendez, je vais baisser un tout petit peu. Alors, le gros avantage de l'Accuphase, c'est qu'il y a des réglages assez, assez minutieux dessus. Et en fait, ce qui fait que par rapport au diton, on arrive à. Leur donner un équilibre, ouais. Un équilibre que tu aimes toi. Un équilibre que j'aime moi et en fait il y a une vraie finesse dans les réglages de l'Accuphase et c'était vraiment impressionnant de retrouver les 10 tons comme ça en fait. Hein. Ouais. Mm. Donc il y avait le Vincent aussi qui était pas mal, un peu plus rond mais avec moins de réglages et surtout pas de sortie phono et t'écoutes beaucoup de vinyles. Moi j'écoute surtout des vinyles du coup et puis finalement l'Accuphase qui pouvait être... paraître un peu agressif, et avec la rondeur du vinyle, ça fait un super équilibre, donc je repars ravi. Nickel. Bon, j'espère que vous avez trouvé des médecins à Grenoble, hein. Sinon vous êtes tous obligés de faire de la route. Et en tout cas, merci, on a passé à peu près 10h30 à... C'est quelle heure 4h là, non? Non, quand même. 3h30. Ah ouais, on a fait 5h d'écoute. Cool, mais on a trouvé, c'est le principal. Merci. Merci à toi Yann, et rentre bien, et j'espère que tu nous feras... une petite photo de ton installation. Avec plaisir. Salut. Salut.